DU avait saisi la Cour constitutionnelle au mois de juin concernant les mesures d'austérité. Vous les connaissez toutes, je ne vais pas les énumérer ici, notamment les salaires, l'arrêt des concours, bref. Et la décision, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, bien que dans la réalité, parce que la loi dit, quand on saisit la Cour constitutionnelle, quand c'est urgent, c'est au bout de 8 jours, sinon la loi c'est un mois. Nous avions déposé une requête au mois de juin, la réponse, la décision nous a été rendue 4 mois plus tard, au mois d'octobre. Donc, effectivement, dans la décision de la Cour constitutionnelle, je vous lis la décision, je vous passe le reste. À l'exception de celle relative au paiement des salaires des agents publics par compte de caisse, les mesures arrêtées en Conseil des ministres du 21 juin 2018 ne peuvent être traduites dans les faits que dans le strict respect des procédures prévues en la matière. À ce sujet, Dynamique Unitaire a une assemblée générale aussi bien vous que moi, que les autres camarades des autres syndicats. Nous avions fait venir un expert pour nous parler de cette décision. Parce que pour nous, la décision, elle est ambiguë. Elle est ambiguë. Nous avions saisi la Cour constitutionnelle pour annuler les mesures d'austérité. Et voilà la réponse que la Cour nous donne. C'est pas clair. On annule ou on annule pas. Je vais vous dire, unis nous sommes forts. Parce que le SNEP fonctionne comme il était tout seul dans son coin. Non, le SNEP fait partie du dynamique unitaire. Dès qu'un mouvement comme ça est lancé, faisant partie des dynamiques unitaires, nous avons l'obligation d'être avec le SNEP dans ce combat. Parce que le combat, c'est un combat de tout le monde. C'est un combat de tout le monde. Donc, c'est pourquoi je réaffirme ici que tout seul, nous ne pouvons rien faire. C'est unis que nous pouvons arriver, que nous arriverons à contrer ce gouvernement.